réveil hamster. Un bon lundi. Combien de guichets automatiques de crypto-monnaies pensez-vous qu'il y en a dans le monde? Et combien de cryptos Vitalik Buterin possède-t-il réellement? Tout cela et plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui de Hamster News. Près de 6000 distributeurs de crypto ont été ajoutés dans le monde au cours des 11 derniers mois. Il y a maintenant 38 269 distributeurs automatiques de crypto-monnaies disponibles dans 72 pays et fabriqués par 43 entreprises différentes. Les deepfakes de crypto secouent l'industrie. Et pas de manière positive. Un grand rapport sur l'aviation pense que les crimes cryptographiques utilisant des deepfakes atteindront plus de 25 milliards de dollars cette année. Alors restez vigilants, hamster! Ron Keating, un célèbre trader de GameStop et finfluenceur, est poursuivi pour manipulation potentielle du marché GME. Keith Gill, alias Roaring Kitty, fait face à un procès l'accusant de manipuler le cours de l'action GME avec ses publications sur les réseaux sociaux. Ça a l'air sérieux, mais les experts juridiques pensent que l'affaire n'a pas assez de fondement et sera rejetée. Au fait, un nouvel épisode de Hamster Academy à propos de GameStop a été publié hier sur nos chaînes linguistiques. Assurez-vous de le vérifier si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Justin Sun se sent bien. Le fondateur de Tron dit qu'il prévoit d'atteindre 1 milliard de dollars de revenus pour Tron cette année. Eh bien, voyons comment cela va se dérouler. Arkham Intelligence pense avoir découvert la richesse de Vitalik Buterin. Selon la plateforme de données, les cofondateurs d'Ethereum sur Chain Holdings se tiennent actuellement à plus de 800 millions de dollars, en hausse par rapport à 552 millions de dollars en janvier. La plupart de ces avoirs sont en ETH et dépendent fortement du prix de l'ETH. En vérité, cette analyse se base sur des informations accessibles au public. Le chiffre réel pourrait être très différent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et souvenez-vous que les hamsters ont du pouvoir, un pour tous et tous pour un. Mais à demain.